Bonjour, une vidéo sur la cour d'école. Est-ce que la cour d'école ne serait pas un espace contre nature Alors quand on dit contre nature, contre la nature, où il n'y a plus du tout de nature, ou contre le côté naturel de ce que peuvent vivre les enfants. Alors, il faut imaginer le temps qu'on passe dans une école. J'ai fait un petit calcul comme ça pour vous donner une idée, mais si on dit qu'un enfant, il est 10 minutes à l'arrivée, euh, le temps de rentrer dans la classe, 20 minutes de récré, à peu près en moyenne 20 minutes euh, pendant le repas, au milieu du repas, 20 minutes de pause de nouveau l'après-midi, plus 10 minutes avant de partir, ça fait 2 heures par jour environ. 2 heures par jour par 180 jours d'école, ça fait 360 heures, et du coup si on imaginait passer 7 heures comme une journée de travail, euh, euh, dans un lieu, ça fait 51 jours. Donc en fait, si on enlève les, les jours fériés, comme un travail, ça veut dire qu'on passe deux mois un enfant passe deux mois par an dans la cour d'école, ce qui est énorme. Et quel, quel espace on donne à cette cour d'école Quel temps on passe à réfléchir à son aménagement et à la vie des enfants dans cet espace-là Et quand je dis deux mois, c'est euh, environ. Hein, si on rajoute le périscolaire, ça peut doubler. Donc voilà, c'est une moyenne. Mais souvenez-vous, vous, dans la cour d'école, votre enfance, c'était quoi votre cour d'école et qu'est-ce que vous faisiez dans cette cour d'école hein, Là, j'ai une image, j'ai retrouvé euh, ma cour d'école en image, en fouillant un peu. Euh, ça, c'est ma cour d'école à Montsaudray, un petit village en Jura. Et j'ai des souvenirs, personnellement, j'ai des souvenirs de faire des avions avec les feuilles des platanes que vous voyez là. Hein, on découpe la feuille et je passais des heures à faire des avions qui planaient bien, au pied des arbres, euh, tas de sable. Et là, euh, à imaginer des choses évidemment dans le sable, avec une dame qui venait arroser, qui venait arroser à cause de la poussière. Mais enfant, on, on l'appelait la sorcière parce qu'on imaginait qu'elle faisait ça pour pas qu'on puisse jouer. Et puis sur les petites margelles, il y avait des pierres avec des petits trous naturels où on faisait euh, des, petits, euh, des petits mélanges avec de l'eau, avec des petits bouts de bois, des petits bouts de poussière, et on passait notre temps là-dessus. Puis après, tout ce qui est jeu où on pouvait courir. Mais c'était un fabuleux lieu pour imaginer. Heureusement qu'il y avait ces platanes, heureusement qu'il y avait cette poussière, ce sable, ces petits bouts de bois. Sinon, ça se résumait au ballon et au jeu de balle. Après, avec, vous imaginez, dans cette cour, peu de paysages et peu de vues sur l'extérieur. La cour, elle est fabriquée aujourd'hui en fonction des besoins de l'adulte, mais L'enfant, il a besoin de quoi dans cet espace de liberté où il y passe On l'a vu beaucoup de temps. Il a besoin de bouger, évidemment. Et pour bouger, il lui faut une diversité de surfaces. Il faut grimper, descendre, courir, euh, pour jouer au loup, hein, avoir, euh, ou à chaque perché, d'avoir des espaces pour monter, où il adore tout ça. Et la cour d'école, on verra, est plutôt en deux dimensions, le de trois dimensions. Il a besoin d'échanger des espaces personnels. C'est là qu'on discute, qu'on se raconte des secrets. Est-ce qu'on a ces lieux, ces espaces un petit peu intimes Il a besoin de rêver pour avancer aussi ses coins tranquilles, imaginer des choses et puis créer, manipuler la diversité d'éléments, de choses qu'il peut trouver au sol. Et on voit comment sont nos cours d'école aujourd'hui. Donc ça, c'est les besoins de l'enfant très résumés pour commencer. Mais en fait, la cour d'école, elle est faite en fonction des besoins de l'adulte, pas de l'enfant. Hein. Si on voit sur cette image comment une cour d'école peut être pauvre, pauvre en éléments, pauvre en surface, etc. Alors ça c'est une école euh, de, sur le territoire de, à côté de Belfort, à Cravanche, où on a un projet justement de transformer tout ça. Mais l'adulte, il a quoi comme besoin Lui, il veut pouvoir surveiller. Bon, il ne faut pas de coin où se cacher, et on veut les avoir sous les yeux. Il ne veut pas qu'il y ait de danger, donc il ne faut pas pouvoir grimper, il ne faut pas d'éléments dangereux. Et... C'est des fouloirs, c'est un lieu où ils se pour qu'ils soient plus attentifs dans la classe, donc faut qu'ils courent, faut qu'ils bougent, donc faut pas qu'ils puissent non plus s'asseoir. Donc voilà un petit peu avec les, avec les besoins de l'adulte qu'on fabrique cette cour d'école, pas avec les besoins des enfants. Mais si on fait un peu de psycho, derrière ce besoin de contrôle, en fait, il y a des peurs. On a tous des peurs qui sont légitimes. C'est des peurs de l'accident. On, on se sent responsable ou on est responsable des enfants. On a peur de la nature, parce que soit elle amène l'accident, soit elle peut poser des problèmes. On a peur du coup du désordre, ce qui est lié aussi à la nature. On veut quelque chose de simple pour qu'on puisse plus facilement le contrôler. On a peur évidemment de la réaction des parents, qui vont nous accuser s'il y a danger. On a peur des imprévus, parce que dehors, la météo, les animaux, c'est pas ce qu'on peut bien contrôler. Et puis on a peur de contrôle. Ben, quand on est enseignant, on a peur aussi du contrôle de sa hiérarchie, qui elle-même a peut-être des peurs, elle veut aussi euh, contrôler. Voilà, c'est l'enchaînement de toutes ces peurs qui fait qu'on a ces réactions sur cette cour d'école. Alors quand on regarde un coin de nature, imaginez, là, toujours dans cette école de cravanche, si on est juste au bord de la cour d'école, là, vous voyez, et il y a un espace de la commune avec des espaces de nature un peu plus loin des jeux, mais on a limité à la surface bétonnée qu'on vient de voir avant. Qu'est-ce que regarde L'enseignant. Qu'est-ce que regarde l'adulte Eh bien, il regarde avec ses peurs. Il voit un coin caché. Derrière l'arbre, on ne pourra pas les surveiller. L'arbre, c'est dangereux. Il va grimper après une branche peut tomber. Le sol, il va être glissant parce que c'est de l'herbe. La pente, elle est raide, donc il pourrait tomber. Il y a peut-être des insectes cachés dans les feuilles. La terre, ben, il va salir et on va avoir des remarques. La haie, ça peut écorcher. Voilà, on voit tous ces dangers-là. On n'a plus que ce regard-là parce que c'est nos peurs qui dominent. Dans notre euh, rapport à cet espace extérieur. Mais l'enfant, lui, voit comment cet espace-là Mais lui, il a carrément d'autres regards. Et le lieu invisible, c'est un cache-cache. L'arbre, c'est un milieu exploré pour grapper. Mais l'enfant, il n'est pas fou, il va grapper dans les petites branches basses. La course dans l'herbe, c'est un espace pour courir. Et si on tombe, on sera sûrement moins mal que sur le béton. Peut-être vaut mieux un, un pantalon sale qu'un genou écorché. La pente, c'est escalader, c'est génial. Les pentes, ils passent leur temps fou, un temps fou à monter, descendre, monter, descendre. Les bestioles, les petites bêtes, ben c'est explorer, c'est à regarder. La terre, ben c'est pour patouiller, pour creuser. Si vous regardez dans une cour d'école, dès qu'il y a un petit peu de terre, ils passent leur temps à gratouiller, à faire des trous. Des chasses au trésor, et puis des petits coins où on peut partager des secrets. Voilà ce que voit l'enfant, contrairement à l'adulte. En fait, il faudrait lâcher prise. Lâcher prise sur les 6C, je propose là j'ai pris sur le contrôle, parce qu'on pense qu'en contrôlant, on va réduire nos peurs, alors qu'on aura toujours les mêmes peurs, mais dans un espace contrôlé, les peurs seront toujours présentes. Elles hein. seront juste à nos pieds au lieu d'être non visibles. Et du coup, ça en découle quoi ben, On veut confiner, c'est-à-dire mettre les enfants dans des espaces serrés, des petites cours d'école. On pense qu'en confinant, on évite le danger. Mais confinés, ils sont sous pression, ce qui augmente les tensions, ce qui augmente le danger de, se, de tomber, de se faire mal ou euh, euh, des confrontations physiques. On crée des contraintes hein, pour maîtriser, donc avec des règles. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. En augmentant les règles, on croit qu'on va, on va mieux contrôler. On va conditionner les enfants à suivre ces règles et euh, à leur faire croire que... On verra après, euh, c'est bien le lieu de béton carré sans nature. On va les convaincre, on pense les éduquer en leur disant ⁇ Attention, faites pas ci, il y a ça comme danger ⁇ On pense que c'est de l'éducation, alors que c'est l'expression en général de nos peurs. Et puis, au bout d'un moment, ben, on va les convertir, tellement les convertir qu'eux-mêmes vont transmettre. Cette idée de il faut pas salir, il faut pas s'asseoir dans l'herbe, il faut pas aller dans la nature. Moi j'emmène des enfants dans la forêt, et eh ben non, il faut pas s'asseoir dans les feuilles mortes quoi. Il faut pas il faut pas toucher la terre parce que c'est sale, ils vont va salir. Voilà, ils sont convertis et ils transmettront du coup à leurs enfants ces mêmes peurs. Donc ça peut durer éternellement. Si on prend une cour d'école, voilà un autre exemple de cour d'école de cellière où là, j'ai fait quelques interventions, et j'adore les observer, ces enfants, dans les cours d'école, quand il y a des récrés, pour toutes les nombreuses interventions que j'ai fait dans les cours d'école, un peu un ethnologue qui étudie une tribu, euh, et comment elle se comporte. On a généralement au centre de l'école, les garçons, hein, que j'ai signifié en cercle bleu, qui occupent ce centre, pour jouer, évidemment, au foot, ou au basket, et c'est eux qui dominent le centre de la cour d'école, puis les filles qui sont là, en orange, elles se débrouillent avec les espaces autour, et il y a une sorte de dominance culturelle, comme ça, qui se transmet de génération en génération. C'est un nom dit mais ça se passe comme ça. Et puis, ben, les filles se débrouillent à côté. Des fois, une fille est acceptée, ou les garçons qui sont pas trop balles, ou foot, ou compète, ben, vont être un peu dans les coins. Voilà. On a cette domination là en général masculine dans les cours d'école qui reflète un peu notre schéma culturel et puis l'endroit où les enseignants doivent voir partout un peu le poste d'observation eux ils ont une chaise et les enfants faut qu'ils se défoulent donc pas de lieu pour se reposer ou s'asseoir s'ils en ont besoin et là dans cette cour ils s'appuient sur les grilles des... de... quand ils sont fatigués ils se mettent dans les petites marges au bord là où quand appuyer contre les grilles mais non faut pas s'appuyer sur les grilles parce qu'on va déformer les grilles donc voilà un espace tout petit si on regarde depuis euh, le ciel, cette cour d'école, ben, en rouge, vous voyez la cour d'école. La petite cour, c'est pour les, 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 les maternelles. L'autre, c'est pour les primaires. Déjà, c'est tout petit, sans arbre, en plein soleil. Imaginez que les canicules à venir, on va rigoler. Non, on ne va pas rigoler, justement. Et puis, un espace jaune qui est pour les voitures, qui est pour l'accueil. Vous avez vu là, sur cet exemple-là, que la voiture a beaucoup plus d'espace. Et en plus, depuis il y a eu des arbres de planter, la voiture a de l'ombre, il y a de l'herbe, il y a une belle zone, comme ça, d'accueil. Et les enfants, on les confine dans des tout petits espaces, en se disant, non, mais ils vont y passer cinq minutes, c'est pour se défouler, point, ça s'arrête là. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui ne répond pas aux besoins des enfants, hein, vu les mois qui vont passer dans cette cour d'école. Et puis, on va bien séparer les deux niveaux scolaires, parce que les petits ne doivent pas être en contact avec les grands. Ça, c'est aussi dans nos schémas culturels. On n'a pas les mêmes responsabilités en tant qu'enseignant, si on les mélange, ça va être compliqué. Et ça, c'est assez surprenant aussi. Hein. J'ai le souvenir d'un enfant qui tombe, un petit qui tombe derrière une grille des, des, de, 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 de cours d'école. Et le plus grand qui est derrière la grille, parce qu'il n'est pas au même endroit, veut l'aider, mais il s'est les genoux, il l'a un mètre de lui et il, il est contre les grilles et il ne peut rien faire. Les grands ne peuvent pas aider les petits, les, peu, les petits ne peuvent pas prendre des grands, on les sépare bien. Ça, ce qui peut surprendre hein, d'autres cultures quand ils regardent notre façon de gérer tout ça. Et puis, ben, la nature, euh, elle, on a vu des peurs, des imprévus, du danger dans nos représentations. Hein. On croit qu'il y a plus de danger dans la nature qu'à l'intérieur, alors que ce n'est pas le cas. Dans les nombreuses années que j'ai passées comme éducateur, j'ai vu plus d'accidents à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et comme ça, on contrôle la nature. Ben, on va faire un, un beau dessin d'art, par exemple, dans cette école. Je ne sais plus le nom de cette école, mais. On a désherbé, on a enlevé tout ce qui était nature. Et pour faire un effet de nature, ben on va dessiner un arbre, on va dessiner de l'herbe. Comme ça, ça, ça se contrôle, ça se gère, ça ne pousse pas plus, il n'y a pas de feuilles qui tombent. Donc on en est à remettre de la nature artificielle pour compenser ce manque de nature. Et si on observe les enfants toujours dans ce, ce regard à côté, ben qu'est-ce qu'ils veulent sur la cour d'école Qu'est-ce qu'on faisait, nous Eh bien, on adore se cacher. Ouais, mais si on est caché, euh, on est plus sur, sous surveillance. Comme si l'enfant caché allait faire plus de bêtises que vu. Là, il y a une table, euh, peut-être pour les enseignants. Ben, les enfants ont fait une cabane pour se cacher. Ils n'ont plus que ça. Pour se cacher. C'est toujours la même cachette. Et du coup, ils se sont trouvés assez vite. Hein, ou une sorte d'affût. Voilà, il leur manque ça. Ils vont imaginer. Un espace pour imaginer. Là, c'est une école. Où ils ont la chance d'avoir un petit peu d'herbe et quelques arbres, tous les petits bouts de bois qui tombent, et eh bien on fait des petites cabanes de lutins où on se raconte des histoires. Ils passent des heures avec ces petits morceaux d'éléments naturels qui sont tombés. Et une cour bien bétonnée, il n'y a même pas ces petits bouts de bois, il n'y a même pas ces petits cailloux. Ils ont besoin de créer, de bidouiller. Là, ils prennent des marrons et ils frottent le mur. C'est un concept artistique de... De street art, euh, chacun ses goûts, mais ils font leur truc. Et les marrons, en fait, ils sont enlevés parce qu'ils pourraient se les lancer, ils pourraient se faire mal, ils pourraient euh, marcher dessus et tomber. Et du coup, tous les marrons sont enlevés et les enfants, je me souviens, ils tendaient le bras à travers le grillage pour aller chercher les marrons pour pouvoir en faire des choses. Et j'ai le souvenir à l'extérieur, avec mon pied, de pousser discrètement les marrons pour qu'ils puissent les attraper. Et ils me regardaient avec un grand sourire en disant merci. Et ils pouvaient jouer avec ce simple marron qui frottait, ceux qui avaient imaginé ce. Ce jeu-là. Et plein de choses possibles avec les marrons. Et puis ils expérimentent. Là, c'est une autre école. Imaginez, c'est un tout petit bout de terre dans un coin. Je ne sais pas à quoi ça servait avant, mais il n'y avait que ça. C'est que du béton. Et je voyais deux, deux trois filles bidouillées dans ce coin-là. Je me suis approché, je leur demandais ce qu'elles faisaient. Et en fait, elles avaient récupéré des graines. Elles plantaient des graines dans ce petit coin de terre. Elles allaient chercher de l'eau. Avec leurs mains, elles arrosaient en se disant on va, on va planter des fleurs ou des, des, des arbres, et on va voir si ça pousse. Évidemment, ça poussait pas, parce que c'est toujours piétiné, etc. Mais cette envie de, de nature, secrètement, elle, je le faisais. Et puis, c'est des endroits pour discuter. C'est un endroit social, la cour d'école. On se raconte des trucs, on se raconte ce qu'on a fait la veille, on se raconte ce qui s'est passé dans la classe. C'est discuter, mais c'est aussi avoir ces moments de solitude. Il y a des enfants qui ont besoin de solitude, d'intimité, parce que la classe est tous ensemble, c'est bruyant. Et ils ont besoin de ces espaces-là. Est-ce que la cour d'école permet ces espaces Là, on a la chance toujours, cette cour d'école avec un peu de nature. Ils ont des bancs, déjà, et ils peuvent avoir un petit coin à eux, ou un petit coin pour discuter avec leurs histoires à eux. Ça, c'est très important. Il y a encore plein de choses. Hein, ils peuvent creuser, sauter, réfléchir, observer la nature, rêver, faire de l'équilibre, se raconter des histoires, imaginer, explorer, grimper. Il y a mille choses qu'ils peuvent faire. Alors ainsi dans la cour d'école l'enfant développe diverses compétences. On est euh, rempli, on va dire, d'intelligences multiples. Là j'en mets quelques-unes mais elles sont beaucoup plus larges que ça. Donc l'enfant il va développer sa créativité, son introspection, l'entraide, la coopération sur des jeux ou des façons de faire, une dextérité motrice si l'espace lui permet d'avoir une diversité d'éléments, des capacités manuelles à bidouiller de la concentration sur ce qu'il fait avec des petites choses, la curiosité, toutes ces compétences hors du temps euh, scolaire au sens en salle assis, il pourra les déployer et chacun à sa manière en fonction de ses propres intelligences. Certains voudront développer plus de créativité, d'autres de dextérité motrice. C'est chaque individu est unique et dans cette liberté va déployer ce qui l'intéresse lui. Donc enfant, l'enfant est un mammifère, l'adulte, nous sommes des mammifères, nous l'avons oublié. Et le jeu est quelque chose de complètement naturel. Donc c'est en jouant qu'il va développer ça. Le jeu, c'est pas juste pour s'occuper. Le jeu, il est fondamental, le jeu libre. Le jeu libre où l'enfant va développer ses compétences en fonction de ses propres besoins. Il va prendre le temps de répéter mille fois le même geste pour l'acquérir, à son rythme. Ou alors il fera une chose une fois, il aura compris, il n'aura pas besoin d'en faire plus. Voilà. Comme... Les petits renards que vous voyez en photo ici que j'ai pris près de chez moi, ils passent un temps fou à jouer. Mais ce petit renard, c'est le jeu qui va en faire un adulte avec des compétences où il pourra vivre sa vie d'adulte. Si on enlève le jeu, le renard il pourra, il vivra pas longtemps. Donc c'est essentiel le jeu libre et c'est peut-être dans la cour d'école qu'il a ces espaces là. Donc on voit tout ça. Quels aménagements possibles pour cette cour d'école Est-ce qu'on peut pas la transformer je vous ai mis quelques mots-clés qui vont permettre d'aller découvrir un petit peu tout le champ des possibles. De la beauté. Les cours d'école, c'est souvent un peu moche, on va dire. Du béton, pas d'arbres, des grillages. On n'a pas une grande réflexion sur ce qui est beau. Donc, mettre de la beauté. Ça ramène de la joie aussi. C'est un espace de joie aussi. Moi, dans les cours d'école, avec de l'herbe, avec des arbres joyeux, des enfants joyeux. De l'intimité. Ça recrée ces espaces d'intimité, où peut-être que l'enfance sera plus visible sous le regard de l'adulte, mais il sera à l'oreille, il sera plus à l'œil. Et ce n'est pas au moment là qu'il y aura du danger. Des matières, des matières différentes. Pas que du béton et aucun élément à toucher. Les seules matières qui pourra toucher, c'est le ballon, le cerceau, point. Du relief, sortir d'une cour d'école en 2D et passer en 3D. Ce qui crée un volume supérieur. De la fraîcheur aussi, qui a un petit peu d'eau, cueillie de l'ombre. Les canicules vont augmenter. Imaginez hein, euh, comment on va vivre. Hein. On commence à avoir des cours d'école, on ne sort plus quand il y a du soleil. De la nature, évidemment, avec tout son potentiel. Et tout ça dans une certaine simplicité. Il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées. Donc, c'est dans une diversité de tout ça, euh, de matière, euh, de relief, euh, de nature, qu'on pourra déployer tout un champ possible. Alors, ça donne quoi ben, Le retour de la nature. Replanter des arbres ou ne arrêter de couper les arbres. Elle a les feuilles au sol, c'est tout un jeu. Moi, je vois des enfants qui s'éclatent avec les feuilles, qui jouent au chasse en imaginant que c'est la neige ou en s'en cachant dedans. Évidemment, on peut glisser sur une feuille quand elle est humide. Mais imaginez tout le potentiel des feuilles, de ce que peuvent faire les enfants avec. Et puis toute cette nature, les insectes, les oiseaux qui apparaissent, ce qui déploie la curiosité pour l'enfant et toute la joie que ça peut apporter. Donc remettre de la nature tout simplement et arrêter d'enlever la première feuille qui tombe ou le premier marron au sol. J'ai des souvenirs comme ça d'une cour d'école où l'arbre a été coupé. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Ah ben c'est le voisin, il y avait des feuilles et ça tombait dans sa piscine qui était un petit peu plus loin donc on a coupé l'arbre. Et les enfants, ben, du coup c'était leur coin d'ombre en plus. Voilà, euh, on obtient des choses comme ça. Des matériaux naturels, pas besoin d'avoir des jeux à 10 000, 20 000 euros complexes avec des tubes en fer, avec du plastique, on revient à du naturel, simplement un tronc comme ça, et bien l'enfant il peut faire plein de choses, c'est des choses assez simples. Et puis un simple tronc d'art posé au sol, et ben ça devient un élément multifonction. Pour des enfants c'est un bateau pirate, pour d'autres c'est un vaisseau spatial ou alors un crocodile, etc. Ça devient tout un monde. Si on lui donne une seule fonctionnalité, l'enfant ne va pas déployer son imaginaire. Elle a imaginé tout ce qui peut se passer, l'entraide, la dextérité motrice, l'imaginaire. Plein de choses peuvent se faire rien qu'avec ça. Donc des créations aussi originales, sortir du tout fait classique. Il euh, y a plein de possibles avec des éléments très simples, euh, sans danger. Où on peut arriver, où peu de danger, le, le zéro danger n'existe pas, mais il n'y aura pas plus de danger que dans un jeu complexe normé. Et si on le fabrique, il est normé, un tronc d'arbre, ça peut tout simplement être posé comme ça. Il y a peu ou pas besoin de normes, en tout cas, renseignez-vous là-dessus. Et là, ça donne plein de choses et plein d'imaginaires. Puis on peut fabriquer des jeux. S'il y a des éléments, s'il y a des coins de nature, s'il y a des cailloux, des petits bouts de bois, des graines. Soit la graine elle devient une petite voiture, soit on peut amener aussi des petits jeux comme ça, ramener ces jeux d'antan ou d'autres mondes pour que l'enfant puisse déployer plein de choses. Il y a mille choses à faire dans ces coins de nature. Les éléments disponibles justement. Là j'ai l'exemple d'une école où on achète pour plusieurs milliers d'euros euh, des éléments pour faire des parcours euh, de motricité euh, ou, euh, ou différents euh, jeux. Et si on mettait dehors des simples rondelles de bois, des, des petites choses comme ça, il y a mille choses à faire et ça coûte pratiquement rien. Et ça sort de l'élément plastique et ça a plusieurs fonctionnalités. Ces éléments mis à disposition, oui mais ils vont les lancer, ils vont se faire, mal, ils vont se faire mal avec. Ben, S'ils maîtrisent ça régulièrement dans le temps passé dans la cour d'école, déjà ces petits éléments, ils vont les utiliser d'une bonne façon. Et si on donne les règles ou si on voit les règles avec eux, il n'y a pas de souci. Ils vont maîtriser. Ils vont maîtriser, se maîtriser dans la gestion de ces éléments. C'est sûr, si on donne un grand bout de bois à un enfant à qui on a toujours interdit de toucher un grand bout de bois, à 12 ans, 14 ans, il ne va pas savoir l'utiliser, il va peut-être euh, euh, buter la tête de son voisin parce qu'il ne se rend pas compte dans sa motricité ce qui se passe. Mais s'il le fait depuis tout petit, il y a un contrôle clair qui se fait là-dessus et il n'y a pas de danger particulier. Puis de la patouille. Alors, on ne veut pas d'eau parce que ça salit. Donc, sortir de cette idée de salissure comme quelque chose de, de négatif. L'enfant, il veut passer des heures à patouiller, il faut les différentes textures, les différents éléments. Et ça, c'est tout un monde aussi à oser faire. Il y a aussi les cabanes. Ces petits coins de cabane soit une cabane végétalisée, comme en saule très qui peut être fait carrément avec les enfants, ou même d'autres cabanes. Et ces petits coins de cabane où l'enfant peut avoir ses lieux d'intimité, ses lieux de secret. Euh, la cabane euh, est quelque chose d'important, ou les cabanes qu'on peut recréer dans ces cours d'école, des choses très simples euh, à placer à droite, à gauche. Donc, tout ça pour aller plus loin, on peut imaginer des îlots, euh, mettre des buts, mettre du relief, hein, sortir du tout plat et puis faire des mélanges. Et on peut même imaginer des lieux avec des thématiques mais d'ambiance. On peut avoir le coin zen plutôt pour se relaxer, on peut s'asseoir, on peut même s'allonger, se reposer, regarder le ciel. Puis d'autres coins qui peuvent être plus dynamiques, où on peut mettre un peu, comme moi je dis souvent, les tout fous ou les tout doux. Et c'est des lieux différents, un coin plutôt dynamique, puis un coin plutôt calme, puis quelque chose, on va dire, entre, avec les tout choux, entre les deux, où ils peuvent être plutôt dans le créatif, mais ne pas coller les endroits euh, des super dynamiques avec des ballons et des endroits où on se relaxe, créer ces espaces-là. Donc voilà, il y a mille choses possibles dans ces coins de nature. Alors, si on a un projet de cours d'école, c'est un projet commun pour transformer la cour d'école. Ce n'est pas justement une réflexion, déjà entre adultes, c'est investir les enfants. Je fais des travaux sur les cours d'école de Brossolette à Besançon, où là, j'ai interrogé chaque enfant de chaque classe sur l'imagine de la cour d'école, comment, à quoi elle lui sert et qu'est-ce qu'il aimerait y voir. Donc, l'enfant. La parole de l'enfant est importante. Qu'est-ce que lui, il imagine et qui participe au projet Évidemment, les enseignants dans cette réflexion qu'est-ce qui se passe dehors Comment on gère et comment on garde quand même un minimum de contrôle sur les enfants Qu'est-ce qu'on accepte comme lâcher prise euh, Est-ce qu'on peut même faire des, des euh, écoles dehors à des moments tellement c'est agréable ben On va faire des cours dehors. Le personnel de l'école, parce qu'ils sont impliqués aussi, si les enfants y rentrent avec du sable ou euh, du sale ben, les femmes de ménage ont leur... Euh, ou les hommes de ménage ont leur mot à dire sur ce qui se passe là, est-ce qu'on crée un sas ou comment on, on gère ce rapport au-dehors et au-dedans, et comment on entretient le dehors. Les parents d'élèves, parce qu'eux, ils peuvent aussi donner leur avis dans quel habit faut mettre, est -ce qu ils font mettre, est-ce qu'ils acceptent. Avoir des enfants qui rentrent avec les genoux remplis de terre et on met les habits adéquats. et Qu'est-ce que ça apporte aux enfants Leur raconter, leur présenter le projet, ils peuvent même participer. L'équipe du périscolaire, parce que le, le périscolaire ben, occupe souvent ces mêmes espaces, donc on peut avoir un projet en commun. Du technicien, parce que si on transforme la cour d'école on fait sauter du béton, ben, du goudron, ben, est-ce que c'est possible Qu'est-ce qu'il y a dessous Comment on peut réaménager Combien ça coûte C'est quoi les normes euh, là-dessus la mairie, parce que c'est le territoire de la mairie qui peut donner son avis, euh, qui peut financer aussi des choses petit à petit. Et puis les éducateurs à l'environnement euh, qui peuvent euh, dynamiser ce projet, accompagner, rassembler ces personnes, aider à ces réunions et avoir une vision globale, ce qui est des éducateurs à environnement qui travaillent justement sur ces aménagements. Donc des éducateurs ou euh, via des réseaux comme les Graines, des réseaux régionaux d'éducation environnement qui peuvent donner des pistes, et des adresses. Donc tout ça, eh bien, ça se fait pas à pas. Il ne faut pas obligatoirement imaginer, quand on voit des exemples, je donnerai euh, des indications après, où on a des grands projets de cours d'école, on dit oui, mais c'est énorme, ils ont tout enlevé le goutron, ça coûte quand même de l'argent, etc. On peut aussi faire des choses pas à pas. Une, pierre, une première année, une première pierre, installer des troncs, tout simplement. Puis une autre fois mettre ces petits éléments naturels, des petits bouts de bois euh, dans la cour d'école, puis on voit ce qui se passe, comment ils jouent avec, qu'est-ce qu'ils en font. Et puis une autre fois, on va planter un arbre. Euh, une année suivante, on va enherber un espace pour faire peut-être euh, plus tard un coin de jardin ou une friche. Une autre fois un coin de cabane, façonner une butte, créer un îlot, voilà. Petit à petit aussi on peut mettre des éléments, voir comment ça se gère, comment ça se maîtrise, et puis on se dit ben, ça se passe bien, on va plus loin. Voilà en gros, j'espère que ça vous donne envie de repenser la cour d'école, des petites choses ou, ou de, de grands projets. Euh, il y a plein d'exemples, allez voir des exemples. Là, il y a des petites vidéos allez voir. Soit l'école de Brossolette, cette grande, cette immense cour qu'on a transformée avec les enfants, où il y a une vidéo là que vous trouverez sur internet, c'était Via France 3, où il y a déjà des aménagements, des petits chemins, une butte, et les enfants vont pouvoir créer plein d'autres projets du jardin, des nichoirs, plein d'autres choses sur ce lieu. Bon, les lieux sont encore en terre, donc ils ne sont pas accessibles tant que ça pousse, mais après les piquets vont disparaître comme on voit en haut à droite. Euh, on a des écoles à Strasbourg qui ont plein de projets, qui font plein de choses, il y a plein d'autres villes. Allez voir, allez chercher. Et puis la cour de nature, une petite vidéo sympa qui parle un peu plus du projet, comment on met en place un projet avec l'association Pyro de Cacahuètes qui, des... qui est à Chenov, à côté de Dijon, où ils font plein de choses là-dessus aussi. Donc, allez voir tous ces exemples, ça vous donne peut-être envie dans cet espace où l'enfant peut se libérer, retrouver de la joie. Et s'il a ces espaces-là, il est plus détendu, il est plus heureux et il est moins en danger. Parce que du coup, dans cet espace où il se sent libre, où il peut s'exprimer, il est moins sous pression. Il a une détente physique et psychique. Donc, il y a moins de bagarres, il y a moins d'accidents, parce que l'enfant se sent bien. Donc, ça va même à l'encontre de l'idée que rajouter de la nature, c'est plus dangereux. C'est même l'inverse qui se produit. Donc, on est gagnant sur tous les points à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et sur ce sujet d'éducation, de rapport au dehors, il y a plein d'autres vidéos. Je donne quelques exemples. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a plein de, de sujets. Et on peut aller plus loin, évidemment, je parle de la cour d'école, mais c'est vraiment des branchées de nature, il y a toutes les écoles du dehors, ça peut être un tremplin à la cour d'école, pour donner envie d'aller se faire un coin de forêt où on va régulièrement, et là ça devient un monde à part entière où plein de choses sont possibles, que ça soit des choses qui se passent liées au programme, ou ces espaces de liberté. Merci à vous d'avoir écouté et regardé la vidéo, et je vous dis à une prochaine fois.